Pour expliquer un passage à l'acte, on s'attendait à ce que l'on évoque des fêlures, un parcours fait de souffrance, et seulement évoquer un père peu investi dans l'enfance et la jeunesse de l'accusé. Il n'y a pas de carence affective majeure, disent la plupart des experts. Un autre est plus mesuré. Tous sont d'accord sur son intolérance à la frustration, comme s'il était au-dessus des lois pour l'un d'eux. Norda Lelandais n'aime pas les séparations, l'abandon, ça le rend vulnérable, d'où son amour pour ses chiens, le chien, l'ami fidèle. Ce qui le rend vulnérable aussi pour un expert psychiatre, c'est de se dévoilé. Il ne parle pas comme les autres détenus de sa vie affective, personnelle, sur les faits pour lesquels il est jugé, la mort d'Arthur Noyer. Norda Lelandais, je cite, risque d'aller trop mal s'il livre trop de choses, estime cet expert. Il évoque le risque de suicide en 2018, quand Norda Lelandais est obligé, face aux preuves, de reconnaître son implication dans la mort du caporal Noyer et de Maëlys, insupportable pour l'avocat de la famille Noyer. Cette hypothèse est entendable, dit un autre expert qui préfère avancer un manque d'empathie. Il qualifie l'accusé d'homme dangereux, borderline, narcissique, qui n'a aucun accès au remords ni de sentiment de honte. Une analyse qu'il faut relativiser, selon l'avocat de Norda Lelandais. Plutôt, maître Jakubowicz sous-entend qu'une des psychologues n'aime pas son client. Vous le voyez, côté partie civile comme défense, chacun donc pioche ce qui va dans le sens qu'il veut donner au dossier, ce qui corrobore ou non sa version. Retrouvez tout France Bleu sur francebleu.fr.